so hungry. Hungry for more of your love. All this is temptation. It's just too much for me. I can't resist. This is temptation. I can't take it no more. Qui est-ce? S'il te plaît, ouvre-moi. Oui, vous cherchez? Je veux voir ta patronne, s'il te plaît. Ma patronne? Oui. Vas-y, ouvre-moi. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Calme-toi, je suis venu te voir. Tu ne décroches plus mes appels. J'étais dans ton shop à maintes reprises et tes travailleurs m'ont dit que tu n'étais pas là. Pourquoi je dois prendre tes appels? Dis-moi, pour quelle raison? Écoute, reste loin de moi. Je ne vais plus te voir encore près de la maison de mon mari. Tu m'entends? Reste loin. Quand est-ce qu'on va se voir? Te voir pourquoi? Mais écoute, me voir pour nous. Est-ce que je ne te manque pas? Toi, tu me manques énormément. Qu'en est-il de la promesse que tu m'as faite? Je ne peux la respecter. Oh mon Dieu! Je ne peux pas! As-tu oublié ce qui est arrivé entre nous deux récemment? C'est bon. Je ne vais plus jamais te voir encore ici. Emeka! Emeka! Madame! Viens ici, dépêche-toi! Écoute, je ne vais plus jamais voir ce visage dans cette parcelle. Est-ce que tu comprends? Non, je ne lui jamais parler ou ouvrir le portail pour lui. Si tu ne fais pas, perdre ton travail. Dégage! Messieurs, messieurs, allez-vous-en. On vous a dit de vous en aller. Allez-vous-en, non? Je ne veux pas perdre mon emploi. Ugodia, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi ton problème? Nani, j'ai encore fait un cauchemar. Oh. Ah. Ugodia, cauchemar encore. Hein? Ça doit être une hallucination. Hein? Je pense que tu dois aller voir un médecin cette fois-ci. Ah ah! À tout moment, tu ne fais que des cauchemars. Il serait mieux que tu vois un médecin. Oui? Nain. Hein? Tu ne te soucies pas de savoir en quoi consiste le rêve en question? Non! Je ne veux rien savoir du tout. Et j'en ai même pas la moindre intention. Non! Ce truc commence à prendre trop de temps. Hein? À tout moment, tu ne fais que des cauchemars. Ah ah! C'est quoi le problème? Oh yeah.
Vas-y, Cheta. Hein? Y a-t-il quelque chose qui te dérange? Mazie Okole, je ne comprends plus ma femme du tout. En tout cas, je n'arrive plus à la comprendre avec sa série des rêves, des cauchemars. Ça commence vraiment à me déranger. Je te le dis. Oh, c'est donc ça? N'est-ce pas une raison pour s'inquiéter? En tout cas, ça commence à me fatiguer. Et je ne sais plus comment m'y prendre. J'aimerais te rassurer que tu n'es pas le seul qui vit ce théâtre de femmes. Ces femmes sont quelque chose d'autre. Je ne te le fais pas dire. Peux-tu imaginer que l'autre fois, ma femme s'est réveillée à minuit en criant « Ne me tue pas. S'il te plaît, ne me tue pas. » Ah ah! Vraiment? Oui, mon frère. Oh. Et lorsque je lui ai demandé qui elle suppliait pour ne pas la tuer, elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit que c'était bien moi qui essayais de la tuer. Oh, et elle ajoute, elle dit que si elle n'était pas forte, je l'aurais déjà tuée. S'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes. Elle m'a même traité de sorcier cette nuit-là. Oh mon Dieu! Elle a dit que je planifiais la tuer pour venir avec une autre femme dans notre maison. Attends. Comment as-tu résolu ça? Ce n'était pas facile, mon frère. Jour après jour, elle ne faisait que les répéter. Et elle suspectait mes mouvements. Une petite erreur, elle va appeler son fils et se plaindre. Bonjour à vous, monsieur. C'est Dieu bonjour, qui monsieur. M'avait sauvé. Hey, comment? C'est Dieu qui m'avait sauvé. Salut, mon fils. C'est Dieu qui m'avait sauvé. Je ne sais pas pourquoi certaines femmes pensent qu'elles ne sont pas en sécurité. Hein? Au moment où elles ont tout, elles ont tout, mais elles pensent qu'elles sont en insécurité. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Tu ne peux pas les blâmer, c'est comme ça qu'elles ont été créées. Je sais, mais ma femme avec ses rêves, c'est devenu vraiment très compliqué. Je te conseille d'être fort, mon frère. En tout cas, ça me surpasse, je te dis, mon frère. Parce que si tu entres dans son jeu, elle risque de croire que c'est vrai. Bébé, tu m'as beaucoup manqué. Kossi! Kossi! On aurait tout vu dans ces mondes. Kossi est en train de dormir. À cette heure de la journée dans sa boutique. Ma soeur, laisse-la dormir. Je suis sûre que son mari ne l'a pas laissé dormir toute la nuit. Voilà pourquoi elle est en train de dormir. Madame, réveille-toi. Hein? Kossi, qu'est-ce qu'il y a avec toi, non? Et le visage que tu as là n'est pas du tout bon. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Je ne comprends pas. Je me sens tellement exténuée. Je me sens malade. C'est vrai? Es-tu partie à l'hôpital? Pas encore. Mais je vais aller. Kossi. Es-tu sûre que tu n'es pas enceinte? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quelquefois, tu réagis comme si tu laisses ta tête à la maison. Comment peut-elle être enceinte? As-tu oublié que son mari provient du voyage? Alors, si elle était tombée enceinte avant son voyage. Pourquoi sommes-nous en train de discuter sur ce sujet? Dis-moi d'abord, c'est pourquoi? Parlez à mon sujet. Vous avez fait cette distance de votre maison jusqu'ici. Ce n'est pas de ma photo, c'est cette fille. Qu'est-ce qu'on va encore dire, Sophie? Alors, quoi? Tu vas encore dire? Vas-y, dis-moi!
Bébé, tu vas bien? Est-ce que ça va? J'en ai sûr. Ça va. J'en ai sûr. Chérie, es-tu sûre que tu vas bien? Ça va. Tu n'as pas arrêté de vomir. Tu dois avoir le cœur. Tu en as besoin, c'est très important. Ok, je t'en prie, tu dois voir un docteur. D'accord? Viens là. Tu vas aller mieux, ok? Est-ce que ça va? Tu es sûr? Félicitations, madame et monsieur Richard. Ta femme est enceinte de 2 semaines. Docteur, je pense qu'il y a un problème quelque part. Non, ma femme ne peut être enceinte. Ok. Et même si elle l'était. De 2 semaines, vous avez dit? C'est ce que le résultat a donné. Elle est enceinte de 2 semaines. Aussi. As-tu entendu ce que la docteur vient de dire? Que tu es enceinte de 2 semaines. Il y a 2 semaines de cela, au fait. Alors, peux-tu expliquer à qui est ce bébé que tu portes? C'est à toi que je demande! À qui est ce bébé que tu portes? Monsieur Richard. Un aide, non. S'il vous plaît, allez-y doucement. Ça va aller. Voilà qui est parfait. Merci, docteur. Mm-hmm.
de moi. Et je me suis laissée tromper par le diable. Le diable. Donc aussi, le diable t'a rendu enceinte, n'est-ce pas? Et ça ne m'étonne pas, c'était il y a 2 semaines. Au juste 2 semaines qu'aussi. Tu t'es fait ce plaisir de coucher avec un autre homme que moi. Le diable t'a rendu enceinte! Le diable, oui! Pour 2 semaines que je suis parti de cette maison! Pour 2 semaines! Tu es devenue enceinte! Tu as même couché sur mon lit avec un autre homme! Et là, tu me parles du diable! Allez, va-t'en! Kossi, va-t'en de chez moi! Kossi, ramasse tes affaires et va-t'en de ma maison! Va-t'en tout de suite! Lève-toi et va-t'en d'ici! Je t'ai dit de quitter ma maison! Mais comment est-ce que tu as pu faire ce genre de choses, ma chère amie? Comment? Comment? Je reviens, laisse-moi t'apporter un verre d'eau. Je comprends un peu le problème. Mais si au moins tu étais devant cette situation, tu devais quand même utiliser le préservatif. Non, non. C'est pas le moment de poser de questions. Elle doit appeler Desmond tout de suite et lui parler de cette affaire. Il doit venir ici et prendre la responsabilité de ses actions. Richard. Je ne pense pas que c'est la meilleure façon de résoudre ce problème. Non. Alors qu'est-ce que tu suggères? Que nous devons les laisser partir juste comme ça? Allez! Il doit venir finir ce qu'il avait commencé, c'est ça! Il doit venir s'occuper de ses affaires, s'il te plaît. Mais Kossi, pourquoi? Hein? Pourquoi? Allez, Kossi, Kossi, s'il te plaît, ça suffit. Prends ces verres d'eau et essaie de t'y calmer. Écoute, je suis vraiment désolée, ma belle. Arrête ça, s'il te plaît. Tu vas te faire du mal, ma belle. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant, hein? Désolée. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant, hein? Ok, calme-toi. Bonjour, ma. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Votre mari était venu ici, il a fermé le parc de la boutique. Il était venu seul? Oui. Il a changé de serrure et il a utilisé de nouvelles clés. Il nous a demandé de rentrer à la maison. Je vois. Ok. Rentrez juste à la maison, hein? Quand j'aurai besoin de vous, je vais vous rappeler. Tout va bien, ne vous dérangez pas. Hein? Rentrez à la maison. Ok. Merci, ma. Pas de problème. Donc, tu veux dire que ton mari a scellé ta boutique? Et il t'a ravi toutes les cartes bancaires et même la voiture qu'il t'avait donnée le jour de ton anniversaire? C'est vraiment sérieux. Qu'est-ce qu'il veut que tu deviennes? Je veux dire, ce n'est pas du tout gentil de sa part. Je dois rentrer dans la maison de mes parents. Es-tu sûre que c'est une bonne réflexion? Tes parents ne seront pas contents. Si seulement ils apprennent ça, surtout ta mère. Honnêtement, tu as raison. Mais elle ne peut quand même pas cacher ses problèmes à ses parents. Ma chérie, je crois qu'il serait mieux que tu appelles Desmond et informe-le de ta situation. Qu'est-ce que tu en dis? Je vais l'appeler.
une fois que j'arriverai au village. Es-tu sûre que tu sauras surmonter cela toute seule? Oui, ça va aller. Je ne suis pas aussi une enfant. Ça va. Kossi, nous sommes... Ok, sache qu'on est avec toi. Ça et nous allons te soutenir, peu importe le problème. Essaie d'être forte. Mon Dieu. Ça va. Essaie de te calmer, s'il te plaît. Je ne veux pas que quelque chose de mal puisse t'arriver. Kossi. C'est bon. Ça suffit. Quoi? Est-ce que j'ai bien entendu mon fils? Où suis-je en train de rêver? Bienvenue ma fille. Tu ne nous as pas appelé pour nous dire que tu es arrivée. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Richard m'a renvoyé de la maison. Je n'ai pas compris quand tu me dis que Richard t'a renvoyé de la maison. Qu'est-ce qui est arrivé? Enceinte? Hey! Ça, c'est une bonne nouvelle! Oh, ma fille, viens, viens! Yeah! Nemo, c'est une bonne nouvelle, hein? Après 2 années de mariage! Hey! Je bénis Dieu! Mais pourquoi ce Richard t'a mis hors de la maison? Hein?
Quoi? Hey! Hey! Quand tu es au Djoukou? Sincèrement pas croire qu'elle m'a trompé. Une femme que j'aime éperdument, une femme que j'aime de tout mon cœur, m'a trompé. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Ce sujet nous dépasse. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à commettre un tel acte? Quel que soit ce que c'est. Quel que soit ce que c'est, je l'aime énormément. Et j'étais prête à faire n'importe quoi pour elle. Je lui ai tout donné, tout ce dont elle avait besoin. Alors, quel est le problème? Lequel? Tu vois, Richard. Le pire est déjà arrivé. Pour moi, je pense que le mieux à faire maintenant, c'est de... d'être calme et essayer de trouver un moyen d'avancer. Il n'y a aucun moyen d'avancer, mon ami. Il n'y a aucun moyen, mon vieux. Vous ne vous attendez tout de même pas à ce que je vive avec une femme qui m'a trompé. Une femme qui ne me respecte pas. Hein? Écoute, frère, je... Il s'agit là de ta femme. Mm-hmm. Et c'est quelqu'un que je connais. Je pense que... Il y a forcément une raison derrière cette date. Mais, qu'est-ce que j'ai... Tu vois... Mec, qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas juste que... Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui? Une raison pour qu'une femme trompe son mari? Ah! Quel genre de raison ça peut être? Hein? Écoute, frère, je suis désolé, je suis désolé. Je voulais juste donner ma contribution. Mon ami... Si tu n'avais vraiment rien à dire, tu aurais dû te taire et ne rien dire du tout. Sérieux? Oui! Tu aurais dû garder silence. En tout cas, j'ose croire que nous pouvons résoudre ce problème. Exactement. C'est également ce que je pense. Nous n'allons rien résoudre du tout. C'est clair? Laissons-la telle qu'elle est. Laissez-la rester dans la maison de son père pour toujours. Et ne jamais revenir ici. Richard? Oh oui. C'est vraiment ce que tu veux? Exactement ce que j'ai fait. Je viens de réfléchir. Tu t'es mariée à ton mari et à tout cela deux bonnes années sans pour autant avoir un enfant. Alors, juste une nuit avec un autre homme, t'es tombée enceinte. Cela ne te dit pas quelque chose? Maman, qu'est-ce que tu insinues? Es-tu sûre que ton mari n'a pas de problème? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi me poses-tu cette question? Es-tu un enfant? Es-tu sûr que ton mari n'est pas impuissant? Ah! Maman, il n'y a rien qui ne va pas avec mon mari. Moi et mon mari, nous sommes allés dans plusieurs hôpitaux et tout le docteur, sur base des examens que nous avons fait, ont confirmé qu'on n'a pas de problème, moi et lui. Je n'ai pas besoin de réfléchir à propos, mais mon instinct continue à me dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais toutefois, rassure-toi de ne rien dire à Desmond à propos de cette grossesse. Grande sœur Kossi, le repas est prêt. Que je te l'apporte?
Non, t'inquiète, mets ça juste sur la table. Ainsi, tu peux aide-moi à ranger les habits dans la valise. D'accord. Ton père va revenir cette semaine. Oui, j'ai parlé avec le téléphone. Il était vraiment. Je crois qu'il est déjà apaisé alors qu'il est en train de revenir ici. Pas de problème, ma fille. Ne t'inquiète pas, ok? Je vais moi-même lui parler. Hmm? Merci, maman. De rien. Calme-toi. Ah ah! Bien, Kim. Tu reviens avec les légumes que tu t'es allé vendre. Maman. Tu nous as ramené ces légumes pour les manger ou quoi? Hein? Maman, beaucoup de gens ont amené des légumes aujourd'hui au marché. Alors, c'était difficile pour moi de terminer le mien. Oh non, Maya, du coup. De mettre ici. Allez. Mon godogo là-bas. Prends place. Quelque chose s'est passé aujourd'hui. C'est une opportunité pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? J'étais allée voir Rebecca. Je l'ai trouvée très en colère. Je lui ai demandé c'est quoi le problème. Elle m'a dit que son fils a renvoyé sa femme. Disons que sa femme était inutile. Le temps est venu pour toi de te positionner dans cette famille. Multiplie tes visites chez elle. Fais-lui remarquer ton bon comportement. Au fait, quand tu l'aides avec ses travaux, ne prends plus rien en retour. Maman, ne vois-tu pas que nous précipitons les choses? Je veux dire, c'est clair que ton fils a encore des soucis par rapport à ce qui s'est passé. En quoi cela nous concerne? C'est-on un propulse pour toi pour pouvoir gagner son attention? Je crois qu'à ce moment, il doit être dans une solitude complète. Si tu ne joues pas bien ta carte, une autre personne viendra te les ravir. Hey! Tu as entendu ce que j'ai dit? Kirou, tu n'as qu'à bien jouer ta carte. Est-ce que tu m'entends? Oui, maman. Après tout, ces formes n'est pas données à de tout le monde. De quoi parles-tu, maman? Ça, bien sûr. Tu dois l'utiliser pour avoir ce que tu cherches. Tu dois le mettre à profit pour gagner ce que tu cherches. Hé, hey, maman. C'est comme si tu sais, non, papa? Oublie ton père. Nous parlons de choses importantes. Utilise les capitaux naturels que tu as au très bien. Hé, hey, maman. Tu sais, maman, tu vas me tuer. Écoute. Tu dois toujours bien prendre ton bain. Sois fraîche. À chaque fois que tu veux aller la rendre visite. C'est vrai. On ne sait jamais où tout peut arriver. Soyons juste prêts à nous en accrocher. Hey! Maman! Nous allons devenir riches. Riches. Très bientôt. Hey, et nous allons quitter ce village. Ah, ah. Village. Hey. Oh, je parle d'Abuja. Quand tu parles de village, qu'est-ce que nous resterons faire dans ce village? Nous irons à Abuja. Abuja, nous y maman, sommes. Maman, tes rêves sont allez, à la vas-y. Hauteur. Pas te laver, pas te rafraîchir. D'accord. Viens, Kirou. Oui, maman. Comment tu vas? Je vais bien, maman. Bienvenue. Merci. Ah, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Quoi? J'étais apporté ces légumes frais. C'est bon pour la santé, ça va te maintenir, maman. Alors, je les ai apportés pour toi. Merci beaucoup, ma belle, j'apprécie. Allez, pose-les là-bas. D'accord, maman. Merci beaucoup. Pas de problème, maman. Tu as apporté tout ça pour moi? Oui, maman. Hein? Hey, Kirou. Kirou, tu vas me tuer avec des cadeaux. Hein? Hey. Maman, j'aimerais te poser une question. Ok. Quand est-ce que ton fils va venir? Ah, c'est quoi cette question? Comment? Comment sais-tu qu'il viendra bientôt? Ah non, maman, ce n'est pas que je sais. Mais quoi? Parce que c'est ton fils, alors je sais qu'il peut toujours venir te rendre visite ici, maman.
maman, hein? Kiro. Maman, tu aimes mon fils? Oui, maman, je l'apprécie. Je l'apprécie énormément. Ah. Mais ce qui est sûr, il est déjà marié. Son couple a un problème ces derniers temps. C'est vrai? Oui, mais c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Allez, attends. D'accord, maman, il n'y a pas de problème. Ça ne marche plus. Oui, et je ne vais pas t'en parler plus. Écoute, aide-moi. Tu vois ces habits que j'ai posés sur la véranda? Prends-les et mets-les dans l'eau, je t'en prie. Pas de problème, maman. D'accord. Je reviens bientôt. Oui. Merci. D'accord, merci. Son mariage ne marche pas ces derniers temps. Il a des problèmes dans son mariage. Kossi, c'est elle qui a apporté la honte dans cette famille. La façon dont notre histoire a été documentée, celle que je connais de A à Z, il n'y a jamais eu une femme qui a atteint ce niveau, ce haut niveau d'abomination. Ça commence avec Kossi. Et je n'arrêterai jamais d'en parler. Mike, s'il te plaît, oh. C'était pas intentionné. Vas-tu te taire? Arrête! Je dis, arrête de soutenir ces bêtises. Parmi tous les rapports que nous avons eus sur ce qui s'était passé, y a-t-il un seul qui laisse entendre qu'elle a été forcée? Hein? Kossi Sochukwu a laissé la maison de son mari. Elle a conduit jusqu'à la maison de ces jeunes hommes. Elle s'est offerte là-bas. Qu'est-ce que tu racontes? Y a-t-il un rapport qui dit qu'on lui avait placé une corde sur son cou et l'amenait par force là-bas? Elle est partie là-bas elle-même. Te voilà en train de justifier les bêtises qu'elle a commises. Écoute. Il n'y a qu'un seul moyen pour que le bien domine le mal. Et c'est ce que les hommes, qui sont les hommes, feront ce qu'un homme doit faire. Je suis un homme dans ce village. Et je ne permettrai jamais à personne de m'induire dans des bêtises. Je n'étais pas censé quitter. J'ai quitté aussitôt que j'ai appris ceci. Parce que je ne peux pas laisser quelqu'un ruiner mon nom. Kossi Sochukwu, pourquoi? La femme de quelqu'un. Et tu essaies de la couvrir. Je ne vais jamais la couvrir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais quoi? Puis-je avoir à manger? Oui, Naï. J'ai préparé la soupe. Avec Nia. Bien. Très d'accord. Important. Et pendant que tu viens avec la nourriture, cette Kossi Sochukwu appelle-la pour moi. Qu'elle vienne ici m'expliquer ce qui s'était exactement passé. Ok, non. Bien, maman, ce n'est pas ce pourquoi je suis ici. Ce n'est pas ce pourquoi je suis ici, maman. Je t'en prie. Et tu sais que ce n'est pas totalement de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Et quel que soit ce que j'ai fait pour paraître comme le victime, maman, la vérité est encore peinte sur mon visage. Maman, c'est la vérité. C'est la vérité, maman. Tu connais la vérité, non? Tu connais. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Maman, ce que j'essaie de dire est que... Je veux dire, ce n'est pas de sa faute. Nous deux savons, tous les deux nous savons, nous connaissons très bien le secret que nous gardons, ma femme. Maman, tu sais que je ne puis donner d'enfant. Nous le savons. Donc ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de ta propre faute. J'ai été infidèle de ne pas lui avoir dit que c'était mon problème.
Je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire puisqu'elle est ma femme. Mais je ne lui ai pas dit. Tout ce n'est pas de sa faute. Pourquoi fais-tu comme si c'était ta faute? Le fait de ne pas avoir d'enfant. Maman, c'est de ma faute. Nous savons que tu avais connu un accident quand tu étais petit. C'est pas du tout de ta faute. Mais j'aurais dû lui dire. Elle aurait dû connaître ce secret. Elle aurait dû le savoir. J'aurais dû lui dire la vérité. Je n'ai pas cessé de la blâmer. Maman, regarde pas toi-même, ça fait déjà 2 ans. Nous sommes mariés il y a 2 ans de cela et je n'ai même pas pu enceinter ma propre femme. Mais j'ai voyagé pour 2 semaines. Juste 2 semaines. Donc c'est que je n'ai pas pu faire en 2 ans. Un autre homme l'a fait en 2 semaines. C'est pour cette raison que tu dois oublier cette fille qui t'a trompé. Tu n'as voyagé que pour 2 semaines et elle n'a pas hésité d'aller se livrer à un autre homme. Maman, elle n'a pas qu'écarté ses jambes. Elle n'a pas fait qu'écarter ses jambes. La vérité, c'est que nous avions un problème bien avant que je ne voyage. Richard, peu importe le problème. Cela ne lui donne pas le droit d'aller coucher avec un autre. Il n'y a pas d'excuse pour l'infidélité. L'infidélité est très mauvaise. Il n'y a pas d'excuse. Maman. J'aime ma femme. Et je veux qu'elle revienne à moi. Écoute, bébé. Je sais que ce qu'a fait Kossi est mauvais. Mais le fait que Richard lui a ravi tout ce qu'elle avait, c'est pas juste. Y compris la voiture qu'il lui avait offerte le jour de son anniversaire. Allez, c'est pas juste. C'est vraiment injuste. Mais chérie, tu t'attendais à ce qu'il agisse comment? Je veux dire, ça brise le cœur du fait que ta femme ne t'a pas seulement trompé, mais elle en est aussi tombée enceinte. Je ne cesse de me demander qu'est-ce qui l'aurait poussé à commettre un tel acte. Peut-être que son mari ne la satisfait pas entièrement. Oh, tiens donc, chérie. Ce n'est pas possible. Je connais Richard. Il est mon ami. Richard sait très bien comment satisfaire les désirs de sa femme. Vraiment? Et tu crois vraiment que tu les connais assez? Bien sûr que je les connais très bien. Ce qui m'intrigue... Ça a duré combien de temps cette liaison de Kossi pour la conduire à une grossesse? La réalité est que ça n'a jamais été le cas. C'est juste une nuit de plaisir qui lui a causé tous ces problèmes. Et tu es en train de dire que c'est la toute première fois qu'elle a fait ça? Oui. Comment es-tu si certaine? As-tu par hasard oublié que c'est ma meilleure amie? Je la connais très bien. J'ai vraiment pitié d'elle. Salut. Salut ma chère, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ah, c'est bien. Est-ce que maman est là? Ah non, elle n'est pas là. Tu es venue la voir? Pas du tout. Ok. Je suis venue te voir. Oh, moi? Mm-hmm. Ok. Bon. Ah, qu'est-ce que c'est que ça encore? Je l'ai préparé pour toi. C'est au quoi? Au quoi? Waouh! J'adore au quoi. Je suis contente. Ah oui. Oh, oui, bien sûr, bien sûr. As-tu aimé? Bien sûr, je vais adorer cette nourriture. Ça a l'air très très bon. Wow, merci infiniment, merci. J'ai spécialement préparé ça pour toi. Non, merci infiniment, merci. Je voudrais te poser une question. Vas-tu bientôt rentrer à la cité? Oh oui. Actuellement, je suis venu pour prendre maman. Tu vois, au fait, nous sommes censés rentrer en ville le week-end. Ce week-end même. Oh,
si rapidement? Qu'y a-t-il? Tu n'as plus l'air heureux. Ça te pose un problème? Qu'y a-t-il? Écoute. J'avais vraiment envie de te voir. Je t'aime. Comment ça a été? Ah, maman, ce n'était pas si mauvais. Mais ça n'a pas marché de la façon dont je voulais. Comment? Il a apprécié la nourriture que j'avais apportée pour lui. Mm-hmm. Il m'a dit de bonnes choses. Mais... Il n'a pas répondu à tes attentes? Non, maman. Non, maman. Il ne l'a pas fait. Mon plus grand problème maintenant est qu'il va aller à la cité avec sa mère à la fin de cette semaine. C'est ça mon problème, maman. Tu sais quoi? Nous ne devons pas jeter l'éponge. Si seulement tu peux réussir à le rendre fan de toi, ça sera une bonne chose pour nous. Ne penses-tu pas? C'est vrai. Je le pense, maman. C'est vrai. Je crois que c'est ça. Dans ces cas, j'irai là-bas demain. C'est mieux. Je veux voir ce que je veux faire. Oui, puisque nous ne devons pas perdre cette opportunité de devenir riche. Bam, bam, bam. On ne peut pas. Tu sais, non? L'affaire d'Abuja. Maman. Ne va pas là-bas. J'en ai hâte. Allez, Abuja. Maman, tu aimes bien Abuja, toi. Oublie cette vie de village, ma fille. Vraiment. Tu ne passeras pas les restants de ta vie au village, ma fille. C'est vrai que Kiro était ici le matin? Oui, oui. Oui, elle est venue ici. N'est-ce pas qu'elle est jolie? Absolument, je le sais. Et aussi une vraie bosseuse. Maman, je sais où cette farce va nous amener. Et je ne suis pas prêt pour cela. Maintenant, je t'en prie. Pourquoi tu refuses les changements, mon fils? Maman, je t'ai dit ce que je voulais. Et cela est totalement inacceptable pour moi. Tu as besoin d'une fille bien éduquée et Kiro répond à cette critère. Maman, Kossi est très bien éduquée. Jusqu'à quand, Richard? Quoi? Pourquoi essaies-tu de défendre une femme qui t'a trompée? Une femme qui a mis à la poubelle le lien du mariage? Une femme qui t'a trompée? Elle est allée voir ailleurs. Pourquoi est-ce que tu la défends? Maman, je t'en prie. Je t'en prie, maman. Pouvons-nous oublier cette discussion rien que pour l'instant? Je t'en prie. D'accord. De quoi d'autre veux-tu qu'on parle? Si c'est pas parler du sujet qui t'a ramené à la maison. Mais maman, tu ne fais que dire le contraire de ce que mes oreilles veulent entendre. Vraiment? Oui. Ok. Maman, m'as-tu appelé? Que penses-tu faire? Que veux-tu dire, maman? C'était quoi tout ça? Maman, c'était juste... Tu faisais juste quoi? Écoute, Nkiru, je ne suis pas un bébé, oh. Je sais que tout ça, c'est à propos de Richard. Regarde là. Maman... Je n'arrive pas à me contrôler. Tu peux contrôler quoi? Maman, tu sais que je me suis vue dans le rêve avec Richard. Eh bon? Oui, maman.
on était ensemble. Et puis, Richard m'a dit qu'il m'aime. Et je lui ai répondu que je l'aime aussi. Hein? Dans les rêves. Eh oui, oui. Hein? Parle-moi, non? On s'est embrassé. Embrassé? Oui, maman. Maman, il était très bon, hein? C'est pourquoi je t'encourage à faire tout ce que tu peux pour qu'il soit à toi. Hey, maman, écoute, je ne manquerai pas. Oh. Tu dois ramener ces bisous dans la réalité. Hein? Tu me comprends? Ramène cette bise dans la réalité. Hein? Nous sommes prêts à réaliser notre projet. Oui! Hey! Hey, maman! T'es la meilleure! Maman, ça va marcher, j'espère. Ok, s'il te plaît. On y est bougé, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Ne peux-tu pas m'appeler Selma Bucci? C'est quoi ça? N'est-ce pas que tu t'appelles Onye Bucci? Pourquoi dois-je t'appeler Bucci? Pour quelle couronne? Ne peux-tu pas être romantique, même hey une fois? Hey mon Dieu. Hey mon Dieu. Aussi. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es la seule fille que j'aime sincèrement dans ce village. Je n'ai pas de petite amie. J'attends quelqu'un de spécial dans ma vie. Et c'est toi. S'il te plaît, donne-moi cette chance. S'il te plaît. S'il te plaît. Non. Oui? Fais-moi une faveur, oh. Je ferai n'importe quoi pour toi, bien. Je te jure. Très bien. Ngono, ouvre ta bouche. Hmm? Oh, montre-moi tes dents. Je ne comprends pas. Montre-moi tes dents. C'est ça le problème. Comment? Ton problème est que tu n'as même pas lavé ta bouche aujourd'hui. Je suis en train de me demander d'où provenait l'odeur que je suis en train de sentir ici. C'est de toi. Va vite brosser tes dents, hein, s'il te plaît. Vas-y. Oh. Va brosser. Mon Dieu, ça sent mauvais. Moi. Mon Dieu, l'amour est bizarre. Hein? Inquiet. Si j'ose encore t'arrêter en route, là je suis malade. Attends, tu vas manger, chérie. As-tu aimé? As-tu aimé? Oui, c'est très très bon. Tiens, avance. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé. Pourquoi? Ça n'aurait pas dû arriver. Ne me dis pas ça, s'il te plaît. J'en ai besoin. Mais je ne veux pas que cela arrive. Je t'en prie. Que ce soit la première et la dernière fois qu'une telle chose n'arrive. Pourquoi? Tu le sais très bien que j'ai une femme. Bien sûr. J'aime énormément ma femme. Et je veux qu'elle revienne. Arrête de pleurer, ma fille. Essuie tes larmes. Ça va aller. Ok? Allez, apaise-toi. Dieu est toujours sur son trône. Il n'y est pas, maman. Il n'y est pas. Si seulement il était assis sur le trône, ça n'allait pas marcher de la sorte. Allez. Ça va aller. Il nous enverra certainement un autre homme. C'est là où nous n'étions pas destinés. Maman, je ne veux pas d'un autre homme. Ça va. Maman, je l'aime. Je sais. Pourquoi est-ce qu'il ne m'aime je pas? Sais. Ne suis-je pas belle? Belle, tu dis. Quoi? Tu es extrêmement belle. Tu es très belle. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas de ta faute que Richard soit stupide et aveugle pour qu'il ne voit pas ta beauté.
D'ailleurs, je ne veux même plus laisser Abuja. Je ne veux plus de ça. Non, non, je ne veux plus de ça. Je rêve maintenant de Londres. Maintenant, c'est Londres que nous Maman, visons. Maman, comment? Quoi? Bientôt, ça sera le fête de fin d'année. Encore un peu de temps, la communauté de la diaspora viendra fêter ici. Tu te trouveras un chéri qui vient de Londres ou peut-être de l'Amérique. Nous allons voyager à Londres et nous mangerons des pommes de terre. N'oublie pas de Richard. Allez, ma fille. Maman. Oublie-le. Richard est très stupide. Ne pense même plus à lui. Insensé de Richard. Il s'en prend même pour qui? N'importe quoi. Maman. Sottise. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour te voir. Pourquoi? Je t'ai pas dit que j'avais besoin de te voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Pars de la maison de mon père. Désolé, je ne peux pas partir. Je vais prendre la responsabilité de mon enfant. De quoi parles-tu? Vas-tu me les cacher? Je sais que j'en suis le responsable. Et tu sais également que j'en suis le responsable. Ah! Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Desmond, que fais-tu ici chez moi? Bonjour, maman. Je suis venu voir ma femme et mon bébé qui va naître. Je ne les lui ai pas informé. Alors, qui l'a fait? Tricia m'en a parlé. Elle m'a tout raconté. Voilà pourquoi je suis venu, maman. S'il te plaît, donne-moi la chance de prendre la responsabilité de mon propre enfant. Tu ne prendras pas la responsabilité de l'enfant d'un autre homme. Que veux-tu dire? Je crois que tu n'as pas oublié que je suis la femme d'autrui. Et ma dot versée est toujours en fonction. En justice et traditionnellement, et cet enfant lui appartient. Écoute, je ne vais jamais, je répète, je ne vais jamais laisser un autre homme être le père de mon fils. Jamais. Écoute, Dieu nous donne une autre chance. Profitons-en. Même s'il faudrait que je rembourse la dot, je le ferai rien que pour être avec toi. S'il te plaît. Sais-tu que tu es malade? Excuse-moi? Il n'y a pas à t'excuser. Après avoir gâché le mariage de ma sœur, tu as encore les kilos de venir te présenter jusqu'ici? Pour venir réclamer tes œuvres maléfiques? Écoute, je suis désolé. Ce n'était pas mon intention de détruire son mariage. S'il vous plaît. Personne. Tes maudites excuses n'intéressent personne, monsieur. Alors il serait mieux que tu dégages de la parcelle de mon père. Tu as bien écouté ce qu'elle a dit. Dégage. Pars. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Père. Voici Desmond. L'homme responsable de ton malheur? Qu'est-ce que tu fous dans cette maison? Bonjour, monsieur. Monsieur, pour commencer, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu être la cause de son malheur. J'aime votre fille. J'aimerais avoir la chance de prendre la responsabilité. Garde tes excuses pour toi. Tu as le courage de venir dans cette parcelle? On peut arranger Très ça. Très bien. Je veux juste qu'on arrange les choses. Pars. Tu ne pars pas? Tu es toujours là? Va-t'en. Tu ne vas pas aimer ce qui va t'arriver s'il sort ici et qu'il te trouve là. Laisse-moi, s'il te plaît, retire-toi d'ici. Pars. Va-t'en. J'irai, mais je serai certainement de retour. Cet enfant est mien. Il m'appartient. Je prendrai la responsabilité de mon enfant. Mais vas-y. Mon ami, pars. Ça, c'est mon bébé et je vais rentrer pour lui. Pars. C'est pour ton bien.
Où est-il? N'importe quoi. Où est-il? Hé, Naï! Naï, s'il te plaît! Non, Naï, laissez-moi! Naï, je t'en prie! Où est-il? Imbécile! Laissez-moi lui apprendre une leçon. Il devait rester là. Biko. Vous auriez dû me laisser lui montrer de quel bois je m'échauffe. Naï. Ah! Je ne peux pas croire ça. La chenille pense que puisqu'elle a plusieurs pattes, elle peut ainsi défier l'éléphant à un combat. Ça suffit. Pas dans cette maison. Il ne va plus revenir ici, non? Il ne va plus revenir. Apaise-toi. Cherchons à trouver une solution à l'amiable. Hey! Pardon. Naï, hein? C'est ça, en fait, la situation. Kossi est encore ici. Tu sais, Philippe, écoute. Comme un homme qui comprend parfaitement les coutumes et traditions de notre village. Ça, ce n'est pas ce que j'attendais de toi, je suis désolé. Tu n'as pas dit ni fait ce que j'attendais de toi. Tu me déçois. Je ne comprends pas pourquoi tu me blâmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Philippe, c'est toi qui détruis ses enfants. Ce que ta fille a fait est un tabou. Et un homme de ton rang devrait ouvrir sa bouche et les reconnaître. Je ne peux pas me mettre ici avec toi et essayer de ne pas condamner ta fille, qu'elle n'est pas responsable pour les crimes qu'elle a commis. C'est ce que tu es censé faire, je ne sais pas pourquoi tu ne le fais pas. Oui, je sais que Kossi, ma fille, en a aussi pour son compte et tout. Mais qu'en est-il de l'homme? Quel homme? Qu'il avait aussi emmené dans son lit. Rectification. Aucun homme ne l'a emmené au lit. C'est ta fille elle-même qui est allée chez ce jeune homme où le crime a été commis. Tu devrais être capable d'ouvrir ta bouche et dire la vérité. On l'a amené. Qui l'a amené? Tu penses vraiment que si elle n'était pas allée là-bas, est-ce que ce crime abominable serait commis aujourd'hui? Dis-moi. Je ne comprends pas pourquoi tu ne blâmes pas ta fille. Pourquoi ne la considères-tu pas comme responsable pour ce crime? Pourquoi? Mais elle est encore là maintenant. Que puis-je faire? Philippe, le moment est venu pour ta fille de faire ce qu'il faut. Et si tu la laisses à sa propre merci, elle ne le fera pas. Quelqu'un doit la forcer pour faire cette chose et c'est toi. Kossi, cet endroit n'est pas le sien. Elle doit rentrer chez son mari. Malgré tout ceci, malgré les circonstances qui entourent cette affaire, elle doit toujours rentrer chez son mari. C'est d'où elle appartient. Ok. Veux-tu qu'elle vienne te voir? Venir me voir pourquoi? Pour qu'on commence à l'encourager? Pour supporter les bêtises? Écoute, nous sommes des hommes. Et les hommes qui sont hommes devraient regarder le tabou et appeler tabou tabou parce que c'est un tabou. Et ça, c'est un tabou. On ne peut pas appeler tabou quelque chose d'autre. Je ne ferai jamais partie de l'école qui appellera les tabous par un autre nom. Le tabou est tabou. Et ce que ta fille a commis est un tabou. Ça, c'est vraiment difficile pour moi. Je n'aime pas quand tu dis ça. Ce n'est pas difficile. C'est toi qui le rends difficile. Tu peux décider maintenant de faire ce qui est juste et tu le feras. Si tu continues à le voir difficile, rien ne sera fait. Et tes enfants continueront à devenir... Je n'aimerais pas le dire. C'est bien, mon frère. Je pense que j'étais bien entendu. Alors, merci beaucoup en tout cas, je t'ai entendu. Et je vais faire un effort pour faire ce que je dois faire. Ugodia... Hé, peux-tu juste aller commencer la procédure? Ok. Ok. Très bien, je t'ai entendu. Qui est là? Qui est dans cette maison? Mais qui est-ce? Non mais... Oh, Dieu merci, tu me portes comme un bandit. Dieu merci, je t'ai rencontré. Te voilà enfin. Je m'appelle Desmond, le père du bébé que ton ex-femme porte. Oh. Oh. Ok. Maintenant, je me souviens de toi. Je crois que nous sommes déjà vus dans une boutique de ma femme. Et voilà pourquoi... Et je me souviens de cette coiffure. Écoute, je ne suis pas ici pour me faire identifier. Je ne suis pas là pour ça. Je suis juste venu te demander et savoir quand est-ce que tu seras prêt pour venir récupérer la dot que tu as payée pour elle. Simple. Hey, comme ça, je vais la prendre comme ma femme.
Tu sens. Et tu as encore le culot de venir à ma porte pour commencer à aboyer comme un chien enragé. As-tu touché à ma femme? Hein? Ok. Je ne suis pas venu ici te combattre. Bien. Non. Mais juste rappelle-toi, tu as chassé cette femme de ta maison. Donc, c'est clair que tu ne veux pas d'elle. Je suis juste venu reprendre ce que toi m'avais volé il y a quelques années. Voilà ce que je suis venu faire. Non. Donne-moi ce qui m'appartient. Rien ne t'appartient. C'est vrai que je l'ai chassée d'ici. Je sais que tu le sais bien. Je l'ai renvoyée chez elle. Kossi est ma femme. Et elle reste ma femme légalement. À condition que j'essaye de divorcer. Mais pour l'instant, elle est légalement mariée à moi. Donc je veux que tu restes loin d'elle dès maintenant. Jusqu'à ce que j'en finisse, ok? Je vais te donner 7 jours. 7 jours et je ferai en sorte qu'elle t'oublie. Si toi ne venais pas récupérer ta dot. 7 jours. Oh mais oui. 7 jours. Ou que feras-tu? Ou que feras-tu? Tu en as mis du temps, mais qu'est-ce qui se passe, mon fils? Non, mais il a un ego stupide et il s'appelle Desmond. Desmond? Mais qui est-il? L'homme avec qui ma femme m'a trompé. Voilà, le Desmond. Au fait, son ex. Quoi? Tu veux dire que ce bâtard était venu jusqu'ici? Que voulait-il? Maman, il veut savoir quand est-ce que je vais récupérer ma dot afin de la laisser libre pour qu'il vienne l'épouser. Donc je devrais récupérer ma dot. Tu vois de quoi je t'ai parlé? C'est ça leur plan, mon fils. Ils avaient planifié cela depuis le début. Et en plus de laisser partir comme ça, j'aurais dû lui donner un coup de poing. Un coup de poing sur son visage. Afin qu'il n'oublie jamais ce jour. C'est pas du tout important. La question est celle-ci. Quand est-ce que tu vas récupérer ta dot? Quand? Moi. Même pas dans mes rêves. Je ne peux même pas le faire. Même pas dans mes rêves. Que veux-tu dire par là? Elle est encore ma femme. Une femme avec qui je suis légalement mariée. Ta femme? Richard. Richard! C'est quoi ton problème? Maman, le truc c'est que je ne puis faire ce que tu me demandes. J'aime ma femme et je veux qu'elle revienne. As-tu pris le temps de t'écouter? Tu veux reprendre une femme qui est enceinte d'un autre homme? Hein? Non mais, maman, n'en as-tu pas marre? N'es-tu pas fatiguée d'agir comme la victime ici? Ne l'es-tu pas? J'ai mes problèmes, je le sais. Et j'ai trompé ma femme en ne lui disant pas la vérité. Je ne lui ai pas dit la vérité. Je ne puis enceinter aucune femme. Je suis impuissant et tu le sais, maman. Je n'arrive pas à croire que ceci est vrai. L'infidélité ne peut être justifiée sous aucun prétexte. Tu ne peux justifier cela. Pareil pour la trahison. Ça ne devrait pas être justifié du tout.
Maman, fais que mon mariage marche. Fais que ça marche. J'aime ma femme et je veux qu'elle revienne. Et je l'ai trahie en ne lui disant pas la vérité. La trahison est une chose qui détruit un bon mariage. Sauve mon mariage. Je veux que ma femme revienne. Il ne devrait pas y avoir de justification pour moi pour lui mentir. Ou de trahir cette confiance qu'elle m'a donnée. Elle a couché avec un autre homme. As-tu oublié cela, mon fils? Et tu veux que je t'aide, mais comment? Et je l'ai trahi. En ne lui faisant pas savoir que... j'étais impuissant. L'infidélité n'a pas d'excuse. Pas de raison pour trahir non plus. Nous sommes en train de parler de l'infidélité. Maman, je l'ai trahi. C'est mauvais, l'infidélité est mauvaise. C'est un péché devant Dieu. Et les hommes, tu ne le sais pas? Je n'ai pas été à la hauteur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous êtes en train de me cacher toutes deux? Kossi, je suis sur le point de dire quelque chose qui pourrait te mettre hors de toi. Sérieux. Qu'y a-t-il de pire que ma situation actuelle? T'inquiète, tu peux parler. Ça va. Juste. Kossi, ton cher mari est impuissant. C'est impossible, il ne peut avoir d'enfant. Je veux dire, c'est Bobby qui m'a fait inconsciemment cette confession. Oui, Kossi. Tu vois, c'est ton mari qui a le problème dans votre mariage. Le problème est que c'était tellement rapidement entre toi et ton ex. Ce n'est pas que nous avons voulu que cette situation t'arrive, mais ce n'est pas bien de garder ce genre de secret. Kossi. Ah. Arrêtez. Désolée, de faire ça. C'est pour ça que je ne voulais pas t'en parler. On devait le faire, non? En tout cas, je n'en reviens pas. Ce Richard t'a maltraité. Comme si c'était toi, la sorcière. Maman, en tout cas, je n'en reviens pas. Je veux dire, comment est-ce que Richard peut manquer la considération? Et puis il proclame qu'il l'aime. Comment? Richard est vraiment méchant. Il savait qu'il était impuissant, mais il s'est permis d'épouser ma fille pour la rendre malheureuse. Hey! Richard! Allez, Kossi, arrête de pleurer. Richard! Arrête! Kossi, arrête de pleurer. Oh, écoute ce que tes amis te disent, je t'en prie, hein? Maintenant que tu as compris le secret que ton mari gardait, il est maintenant temps d'enlever tout ce qui était comme souci pour que tu commences maintenant ta vie normalement, ma fille. Sérieux, hein? C'est ce que tu dois faire. C'est ça. Grande sœur, ça va aller. Va prendre les médicaments, maman, de ta sœur. Ok? Oh. D'accord. Aussi. Ah, ça suffit, non? Ça va aller, ma fille. Arrête de pleurer. Kossi, ça suffit, non? Arrête de pleurer.
Je suis désolé. Je veux que tu reviennes. J'ai cru que tu es venu me confesser que tu étais incapable de me donner un enfant. Je suis désolé que tu l'aies appris ainsi. Je suis désolé, je comptais te le dire avant. Et... Mais... Tu comptais. Après les 2 bonnes années que je suis restée avec toi, tu comptais me parler de ça? Alors voilà, j'étais là en train de me condamner, me culpabiliser pour rien, ne sachant pas que c'est toi qui étais le diable déguisé en ange de lumière. Je suis désolé. C'est pourquoi je suis venu te demander pardon afin que tu me reviennes. Tu veux que je te revienne? Oui. Je me souviens encore de ton dernier mot, entre guillemets. Tu es morte pour moi. Comment t'attends-tu à une femme morte de revenir? Je suis désolé d'avoir dit cela. Et je... désolé, je retire ces paroles. Je les ai dites sous les effets de la colère. Je suis vraiment désolé. Je t'en prie, pardonne-moi et reviens. Richard, s'il te plaît. Pars de chez moi, je ne vais pas t'insulter. Tu l'as entendu. Pars pour du bon. Je dis pars. Ok, tu es toujours là. Attends-moi. Zaro, ne pars pas. Reviens. Espèce d'un insensé. Reviens encore ici. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Tu veux venir ici pour faire tes bêtises, hein? N'importe quoi. Reviens encore ici. Ne le suis pas, hein? Ça va. Ma fille, s'il te plaît, ne le suis pas, oh? Il n'a même pas honte, hein? Ah! Donc Richard n'était pas du tout un homme. L'idiot était en train de se cacher sous la couverture d'un homme. Juste pour humilier ma fille. Ah, j'aurais dû être là quand il était venu ici, vraiment. Un enfant qui n'arrive pas à identifier un serpent empoisonné le confondrait avec une corde qui sert à lier les bois. Non. Richard et sa mère nous ont déçus. Maman, qu'est-ce qui va se passer après? Je ne sais pas. C'est à ton père de répondre à cette question. En ce qui me concerne, ne viendrai pas de papa. Nous sommes déjà âgés. Et l'époque où les parents décidaient surtout concernant la vie de leurs enfants est révolue. Est-ce que je n'ai pas raison? Prudente, maman. Kossi, je t'en prie, pardonne-moi. Kossi, je t'en prie. Kossi, je t'en supplie. Je t'en prie, pardonne-moi. Ah, Kossi, je ne peux vivre sans toi. Je ne peux pas. Je t'en prie, donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seconde chance et laisse-moi... Laisse-moi vivre ma vie en priant chaque jour pour mes péchés. Je t'en prie, reviens. Donne-moi une seconde chance. Kossi, je... Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je te retourne la question. Que fais-tu ici? Elle est ma femme et j'ai le droit de venir voir ma femme. Mais elle porte mon bébé tel qu'elle est là. Cet enfant est mien, tu devrais le savoir. Tu es vraiment stupide pour dire ça. Je vois que tu ne connais pas ce qu'on appelle culture ainsi que tradition. Alors laisse-moi bien le décrire dans ce cerveau que tu as là. Redis-le et j'en finis avec toi maintenant. Ouais, j'aimerais bien voir ça. T'es malade. Attends, tu vas voir. Je vais te voir. Maman! Qu'est-ce qui se passe ici? Richard! Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez assez insulté cette famille.
Et je dois mettre un terme à ça tout de suite. Oui, Richard. Monsieur. Tu as trahi et menti ma famille. Desmond, tu as ruiné le mariage de ma fille. Oui. Et je dois mettre un terme. Oh, laissez-moi, laissez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi en finir. Laissez-moi en finir avec eux. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ils ne peuvent pas faire ça. Non, non, ils ne peuvent pas continuer ainsi. Ne fais pas comme ça, Ney. Ne fais pas ça, Ney, je t'en supplie. Ney, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne fais pas ça, Ney. Allons à l'intérieur. Permets pas tes émotions de te contrôler. Je ne vais pas perdre quelqu'un dans cette affaire, s'il te plaît, Nai. Je t'en prie. Ogodia. Nai. Tu as dit que tu as fait un rêve où je t'ai tué. Oui. Mais c'était un accident. Tu voulais tirer deux hommes inconnus. Et lorsque je suis sortie pour te stopper, directement, je me suis réveillée. Je n'avais pas compris. S'il te plaît, Nai, ne permets pas que les esprits méchants te possèdent comme dans mon rêve. Parce que mes rêves finissent par se réaliser. S'il te plaît. Biko. Mon Dieu ne laissera pas cela se produire. Amen. Ça n'arrivera pas. Amen, Nai. Hey. Pouvez-vous imaginer ça, les gars? Ce bâtard a eu le culot de me frapper. De se battre avec moi en présence de tout le monde. Imaginez un peu ce sale bâtard. Ce fou! Ce fou a eu le culot de me frapper, moi, Richard! Oh, bien, ok. Ah, c'est devenu sérieux. Avec ce que tu viens de dire, ce garçon veut vraiment te ravir. Ça sera sur mon cadavre que je le laisserai achever sa haine. Bien. Ça sera sur mon cadavre que je le laisserai achever sa haine. Et non, je ne le ferai pas. Kossi est ma femme. Et elle continue d'être ma femme. Et même son père, très méchant, ne peut le changer. Non. Personne ne peut. Tu sais, je te demanderai de te calmer. Et d'être très prudent. Ce gars-là doit être désespéré. Et le désespoir peut conduire à des actes très dangereux. Sois prudent. Eh bien, qu'il le fasse. Nuen, laisse-le poser ses actes, je l'attends. Je suis là, je l'attends. Tout être humain, ça vous devez le savoir, tout être humain a une tendance irrationnelle. Tout être humain, alors laissez-le faire. Je ne le fuirai pas, je suis là, je l'attends. Je n'hésiterai pas de lui montrer qui est-ce que je suis. Laissez-le venir. Fou. Je pense qu'on va plus parler du père de Kossi. C'est ça. Tu as dit que cet homme était sur le point de te tuer, mais tu n'en parles pas. Non, non, tout père qui s'inquiète sincèrement pour ses propres enfants agirait de la même manière que mon beau-père a agi. C'est tout à fait normal. Ah. Serais-tu ici en train de les défendre si tu avais mis une balle dans la cervelle? Il ne peut pas. Et il ne le fera pas. Je le connais. Je connais mon beau-père et je sais ce qu'il peut faire. Alors je sais qu'il ne peut le faire. J'accepte que tu connaissais ton beau-père. Mais je ne suis pas tellement sûr que tu connais le monsieur actuel qui est possédé par la colère contre toi.
Tu vois, cet homme-là est en colère. Et je te le répète encore, sois prudent. Vas-y, mollo, mollo. Ok? Non, laissez-le venir d'abord. Je suis affamé. Et en colère. Cheta, si je te dis que tu m'as déçu, je serai très gentil envers toi. Tu m'as choqué. Pourquoi as-tu tiré cette balle? Pourquoi l'avoir fait? Voilà ce que j'attendais de toi. Tu devrais dire à ta fille qu'elle a déçu toute la famille en faisant ce qu'elle a fait. Tu ne l'as pas fait. Par contre, tu es allé dire à ces jeunes hommes qu'ils ont déçu ta fille. Comment? Comment ont-ils déçu ta fille? Mon frère, le sujet est encore beaucoup plus compliqué que ça. Hein? Je sais, nous savons que notre fille Kossi est responsable dans sa part. Mais si tu analyses très bien les choses, les hommes aussi. Et surtout Richard, regarde Richard, son mari. Hein? L'a trompé et menti pendant plus de 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Qu'il était impuissant. Tu as fini? Et Desmond, le jeune homme en question dans cette affaire, il est prêt, tu vois, à remettre la dot et faire tout. Si seulement Richard est d'accord. Pour qu'il prenne, tu vois, nous parlons déjà d'une grossesse. Et tu l'encourages. C'est ça le problème. Non, sérieux, tu l'encourages. Par moments, quand tu commences à parler, je me demande quel genre de nourriture on t'a servi. Sérieux. Tu as mangé quelque chose qui n'arrive pas à faire fonctionner ton cerveau? Où est-ce que cela s'est fait? Un homme qui a épousé une femme et te voilà en train de chercher à découvrir à qui appartient cet enfant. Ça, c'est quelle façon de faire les choses? Bon, lorsque ta femme a découvert que cet homme-là était incapable de l'engrosser, qu'a-t-elle fait? Ne devrait-elle pas trouver une solution pour sa famille? Pour voir s'il n'y a pas un autre moyen pour qu'elle tombe enceinte, comme une bonne femme? Serait-il pour la première fois que ça se produise? Mais non, elle n'a pas fait ça. Elle est allée voir ailleurs. Elle est allée commettre une abomination. Et c'est clone, parce que selon moi, c'est un clone. Ce clone essaie de venir réclamer l'enfant d'un homme qui a payé la dot pour la mère. Pourquoi? Je ne comprends pas. Écoute, même si cette femme a tout un bataillon des enfants, aussi longtemps qu'il existe un homme qui a payé la dot pour elle, ce bataillon d'enfants appartient à cet homme. Qui que ce soit qui a contribué n'a juste que offert un enfant à cet homme. C'est ça la tradition. Même dans notre famille ici. Essaye de sonder notre histoire, tu vas comprendre. Ça s'est déjà produit. Il y a eu certains membres de notre famille dans le passé qui étaient incapables d'engrosser des femmes. Leurs épouses. Et certains arrangements ont été faits selon la convenance des hommes. Voilà la tradition. C'est comme ça que ça doit être fait. Mais ta fille ne l'a pas fait. Elle sort d'où cette histoire? Parfois, tu m'étonnes. Écoute, je ne ferai pas partie de cette équipe-là si n'importe quel homme apporte une quelconque dot dans cette famille. La façon dont je vais le gérer, tu ne vas pas aimer. Mon frère, c'est juste que la situation est vraiment devenue compliquée. Et Cheta, il n'y a pas de situation. Et rien n'est compliqué. C'est toi qui compliques tout ici. S'il te plaît. S'il te plaît. Il ne sait même pas que notre fille n'était pas au courant de l'impuissance avant de commettre cet acte. Tu as raison. C'est quoi le problème? C'est juste la situation dans laquelle... Il n'y a pas de situation. Il n'y a pas de situation. Arrivé au point où tu ne sais plus manger.
Maman, ce n'est pas ce qui me dérange actuellement. Qu'est-ce qui te dérange? Merci. Ces oranges sont très sucrées. Je les aime tellement. Elles sont vraiment bonnes. J'aime les oranges sucrées. Merci. Ouais, il faut toujours consommer ce genre d'oranges, tu vois. Car à l'intérieur, il y a plein de mots. Tu es là avec ta fille, hein? Vous êtes en train de causer, planifiez-vous quelque chose? Non. Allez, pousse là-bas, je m'assois avec mon mari. Mais c'est tout à fait normal. Oui. Oh, rien de grave, on ne fait que contempler la vie, tu vois. La vie est belle, tu sais. Ouais. Apparemment, papa et l'enfant ont une relation. Tu vois, je voulais juste... Maman, t'es jalouse comme ça? Non, je ne suis pas jalouse, en ma fait, fille. J'essayais de lui parler du terrain qui se trouve vers la nouvelle route. Exactement. Oui, j'aimerais vraiment que nous puissions... faire quelque chose à propos parce que... Ah, ah. Je suis venue vous parler comme une mère qui comprend le plaint de ses enfants. Mon fils Richard souffre. Il veut que tu reviennes. S'il te plaît, ma fille. Je t'en prie, pardonne-nous. En tant que mère, comment allais-tu te sentir? Mets-toi à sa place. Hein? Comment allais-tu te sentir quand tu caches une information comme ça en tant que femme? Je suis la raison pour laquelle Richard a fait cela. Il essayait à plusieurs reprises d'en parler à Cosi, mais je l'empêchais. Femme, je veux que tu quittes cette maison tout de suite. Ouais. Tu es la raison pour laquelle je n'ai pas séparé sa tête de son cou. Hey. Naï. Pitié. Pitié. J'ai une histoire à vous raconter. Je vous en prie, ayez pitié de moi. Pardon. Biko, bien. Allez, va-t'en. Pars. Tu as maintenant une histoire à nous raconter, hein? Après avoir couvert ton fils, va-t'en! Dégage d'ici maintenant! Pourquoi vous ne m'écoutez pas d'abord? J'ai quelque chose à vous dire, je vous en prie. Laissez-moi d'abord parler. Eziwan. Nos gens disent que... quand les gens boitent, le lapin... le vieux lapin saute. Je te donne 5 minutes pour que tu nous dises tout ce que tu as à dire. 5 minutes pour raconter ton histoire. Maman, s'il te plaît, prends place. Merci. Merci. J'avais perdu mon mari suite à une maladie grave. 6 mois après sa mort, il devait avoir à peu près 18 ans. Quand il jouait avec ses amis dehors, Maman Richard! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, madame. Oh, maman, bonjour. Richard a fait une crise. Oui, Richard. Richard a fait une crise. Mon Richard, oui, oui, à Richard. Moi, a fait une crise? Ça. Comment? Oui, au moment où je vous parlais à l'hôpital. Madame. Votre fils a connu une blessure très grave au niveau des organes génitaux. Mais docteur, qu'est-ce que vous essayez de dire? Cette blessure a affecté ses testicules. J'ai bien peur qu'il ne soit pas en mesure d'engrosser une femme dans le futur. Quoi? Non, docteur. S'il vous plaît, faites quelque chose, docteur, je vous en prie. Mon fils ne pourra pas vivre avec ça. Faites quelque chose. Madame, docteur, pitié. Je ne peux rien vous garantir. Si vous croyez au miracle, je veux dire les interventions divines, la condition de votre fils pourrait s'améliorer. Dans l'entretemps, il est dans sa chambre maintenant. Il dort. Venez avec moi dans mon bureau.
Dieu. Je ne saurais supporter ça. Le père de mon enfant était mort 5 mois après. Qui est-ce que je vais blâmer pour cet incident? Je ne saurais supporter ça. Le fait que mon fils n'aura pas d'enfant. Dieu, que dois-je faire? Maman, mon fils. Tu ne dors pas. Tu as l'air inquiet. Tu vas bien? Mon fils, je vais bien. Comment te sens-tu? Un peu mieux. Je sens quelques douleurs ici. Mais à part cela, je sens que je vais bien. Pour ta guérison, tu dois prendre tes médicaments tous les jours, mon fils. Je le ferai, maman. Mais maman, oui? Qu'est-ce que le docteur a dit qui m'est arrivé? Mon fils, le docteur a dit que tu es convalescent. Tu dois prendre tes médicaments pour que ça renforce ton système immunitaire. Je le ferai, maman. Je prendrai mes médicaments. Ça, c'est mon petit garçon. Mais maman, arrête de m'appeler garçon, garçon, garçon. Je ne suis plus un petit garçon. Hein? Je suis un grand garçon maintenant. Ok. T'inquiète pas. Tu comprendras cela un jour. Ok. Alors, prépose ton fils. Okay. D'accord, maman. Ça, c'est mon garçon. Maman, elle est ma moitié. La fille dont je t'ai parlé, au fait. Tu vois? La fille à qui tu as dit que tu pourrais vivre sans elle? Oui, maman. Pour elle, je suis prête à m'éloigner du monde. Et je sais même que je pourrais y survivre. Ma fille. Oui, maman. Tu es la bienvenue. Merci, maman. Elle est très jolie. Oui, et très très bien éduquée. Oui. Ah, bon, allez, viens avec moi. J'aimerais te montrer quelque chose, ok? D'accord, maman. Viens. Ah, yeah. Avant, j'étais très fâchée contre lui. Richard? Maman? Es-tu sûr de bien vouloir épouser cette fille? Oui, maman. Cosi vaut beaucoup pour moi. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Tu ne pourras jamais enceinter. Maman, je ne suis pas impuissant. J'ai peut-être eu un problème dans le passé, mais je ne le suis pas. Si c'est bien ce que le docteur a dit, je veux le prouver à tout le monde que je ne suis pas du tout impuissant. Et ma femme à moi va me donner des enfants. C'est ça ma prière. Que ta femme puisse te donner d'enfants. Parce qu'aucune femme ne peut rester avec un homme qui est impuissant. Aucune femme, même pas Cosi. Elle s'en ira dès qu'elle saura la vérité. Mon fils t'aime toujours. Il veut que tu reviennes. La raison pour laquelle il t'a caché ses secrets, c'était juste parce que il avait peur de te perdre. Tel que je te parle maintenant. Mon fils Richard.
Richard. Souffre. Oui. Il souffre beaucoup en ce moment. J'ai aimé Richard. Je l'ai beaucoup aimé. Je suis prête à tout compromettre juste pour lui. Tout ce qu'il devait faire, c'est de me faire confiance. Je t'en prie, ma fille. Pardonne-nous pour notre ignorance. Il a besoin de toi plus que jamais. S'il te plaît. Je vais y réfléchir. Allons, moi. Tu veux y réfléchir? Oui, papa. Oui. D'accord. Merci. Merci, ma fille. Naï. Merci. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Merci de tout cœur. D'accord. Ok. Merci. Richard, s'il te plaît, calme-toi. Richard, s'il te plaît, calme-toi. Il faut que tu te calmes. Je pense que tout ira bien. Je devrais me calmer. Tu me demandes de me calmer. Je devrais me calmer alors que ce bâtard est là dehors, désespérément en train de courir après ma femme et tu veux que je me calme. Je devrais me calmer. Ok. D'accord. Écoute, Richard. Oui, le jeune homme est désespéré. Mais pose-toi la question, frère. Quel est donc le résultat positif que son désespoir a produit? Je n'arrête toujours pas de penser que je devrais vraiment tuer ce bâtard. Je ne comprends toujours pas ce qui me retient actuellement. Je ne comprends pas ce qui me retient. Je crois que j'ai la réponse à cette question. Passer les restants de ta vie en prison, c'est ça qui te retient. Exactement. Exactement. Et après ton incarcération en prison, la même femme pour laquelle tu as commis ce crime finira par épouser un homme. C'est simple. Être violent n'a jamais été une vraie solution à un problème. S'il vous plaît, vous devez m'aider à le dire. Dites à mon fils qu'il n'a pas besoin de se battre pour quelque chose qui lui appartient. Dites-lui pour l'amour du ciel que sa femme va revenir et ses actions sont en train de m'affecter psychologiquement et je n'aime pas ça. Aidez-moi à lui faire raisonner, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maman, calmez-vous. Le cas de ta sœur m'a juste confirmé que l'amour est méchant. Et que vient faire la méchanceté de l'amour là-dedans? Desmond est traumatisé de l'amour qu'il a pour ta sœur. Il commence à perdre contrôle. Sinon, comment peut-il venir avec sa famille demander en mariage une femme d'autrui au lieu de se couvrir le visage après les tabous qu'il a commis? Écoute, tu as raison. C'est très capital. Mon père avait dit qu'il n'était pas content de les recevoir, mais il les avait accueillis juste par respect pour les anciens qui l'accompagnaient. Le fait de les accueillir n'était pas la faute de ton père, mais celle des membres de sa famille. Comment ils peuvent l'accompagner pour demander en mariage la main d'une femme mariée? Qu'est-ce que ça fait dans la tête? Tu sais, j'avais entendu l'un d'eux s'adresser à Desmond en disant « Donc Desmond, tu m'as fait venir ici pour être humilié ?» Oh! Confirmé? Ils ont été déçus. Ce qui est étonnant, il a conclu qu'il devait voir la famille de Richard. Je me suis vraiment mariée, il ne savait pas que j'étais en train de me moquer de lui. Il avait même oublié qu'il était venu avec des gens. Vraiment? Desmond, ces garçons. On y va. Ok. Mes ancêtres,
je suis venu vous offrir ceci. Vous avez toujours été bon pour moi. C'est pour cette raison que je viens vers vous chaque matin. Vous offrir ces supplications. Et ce, toujours. Un présumé fou qui habite dans la maison de son père n'est plus un fou. Je vous ai toujours offert ceci comme protection pour ma maison, ma famille. Et je sais que vous avez toujours, toujours été là pour nous. Je vous donne ceci pour que nous mangions ensemble. Je vous offre ceci et je mange aussi. Je vous offre également la boisson. Ainsi que je l'ai toujours fait à nos ancêtres, qui ont été là avant nous, pour leur dire merci. Puisque je vous ai déjà offert, voilà, je prends aussi. Acceptez mes supplications. Je vous dis merci. Et je vous dis merci infiniment. Merci mes parents. Je sais que vous l'avez reçu. Et c'est pour cette raison que je vous remercie de l'avoir pris. Merci mes ancêtres. Soyez bénis à jamais. Et je dis merci au lycée Boloa. Asse medalo. Ifini meni medjike. Dalona. Alona. Je vous remercie pour tout vraiment. Vous avez toujours été là pour moi et ma famille. Merci d'avoir existé. Asse menalo. Merci père. Pour m'avoir permis à vous offrir ceci chaque jour. Desmond, tu n'arrives tout de même pas à comprendre la gravité de l'abomination que tu as commise. Pour la dernière fois, oublie cette femme. L'esprit de l'humiliation est préférable à la jalousie. Si j'étais à ta place, je n'aurais jamais accepté avoir eu une quelconque liaison avec cette femme. Et encore moins l'idée de venir dire que c'est moi le responsable de la grossesse d'une femme d'autrui. Ça ne va pas la tête ou quoi? Desmond, c'est à toi que je parle. Écoute, oncle. Je vais dire ceci juste comme tu le veux. Ça ne se fera jamais. Jamais sur cette terre, un autre homme deviendra le père de mon propre enfant. Pas pour l'enfant que j'ai confirmé qu'il m'appartient. Ça ne se produira jamais, oncle. L'enfant dont on parle est également ton sang, mon sang, notre petit-fils, notre lignée. J'ai déjà construit une relation très forte avec cet enfant. Je ferai n'importe quoi, oncle, pour récupérer cet enfant. Et tu dois me soutenir. Tu devais le comprendre. Hé, Desmond, s'il y a quelqu'un qui doit comprendre quelque chose ici, c'est toi. Pour l'amour de Dieu, comment peux-tu voir toutes les belles femmes célibataires qui passent dans la rue et choisir une femme d'autrui? N'es-tu pas fou? Desmond, n'es-tu pas fou? Maintenant, regarde comment cette femme était en train de parler. Contrôle ta langue. Et tu n'étais pas en mesure d'utiliser ta langue pour compter tes dents. Bien, oncle, je ne suis pas intéressé par une autre femme. Tu vois cette femme? Je vais l'épouser. Oh, bêtise! Elle est ma femme. Dans tes rêves! Nous parlons d'une femme avec qui j'avais une relation avant que cet idiot vienne me la voler. Et maintenant, les dieux, nos ancêtres, nos arrière-parents, notre Père Céleste m'a béni avec un enfant dans le ventre de cette même femme. Et tu t'attends à ce que je la laisse partir? Oh non, oncle, n'est-ce pas ridicule que tu sois contre moi dans cette affaire? N'est-ce pas ridicule? Desmond, il n'y a pas moyen que je te soutienne dans ça, car les coutumes et traditions de cette terre l'interdisent. Pour l'amour du ciel, oncle, les traditions de notre terre approuvent également que nous pouvons lui retourner cette dot. Ça se fait. C'est très possible. Compte pas sur moi. Oncle, je compterai sur toi. Desmond, ne compte pas sur moi. Tu es dedans. Tu es dans ça avec moi, oncle. C'est ridicule. Oncle, tu es censé être de mon côté. Desmond. L'unique et meilleure façon de résoudre les incompréhensions
c'est par la compréhension. Comprends-toi toi-même et donne-toi les conseils. Je m'en vais. Tu t'en vas? Je vais récupérer mon fils avec ou sans toi. Avec ou sans toi, oncle, je le ferai. Je t'ai trouvé. Alors dis-moi, de combien as-tu besoin? De combien as-tu besoin pour que tu laisses cette femme-là tranquille? Dis-moi, de combien as-tu besoin? Il n'y a qu'un homme pour courir après une femme mariée. Ne comprends-tu pas? Est-ce qu'on parle d'une femme mariée? Nous parlons d'une femme que j'ai engrossée. Non, celle que tu étais incapable d'engrosser. Je n'arrête pas de me demander, moi. Je n'arrête pas de me demander. Non mais dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé dans le passé? N'étais-tu pas assez homme pour l'épouser? Oh, j'ai oublié. Tu n'avais même pas assez d'argent pour l'épouser, n'est-ce pas? Tu veux savoir ce que ça veut dire être assez homme, n'est-ce pas? Non, tu n'es pas assez. Tu veux savoir ce que ça veut dire être assez homme, hein? Tu veux le savoir, hein? Tu veux savoir? Tu veux savoir ce que ça veut dire être assez homme? J'ai engrossé ta femme! Laisse-la! Oui, oui. Bobby, s'il te plaît, fais-moi une faveur. Oui, s'il te plaît, amène-les dans notre hôpital familial. Oui, à l'hôpital Wealth Light. Je serai là, oui. C'est pour 5 heures. Non, je dois venir. Je dois venir prendre soin de mon mari, s'il te plaît. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Madame, j'ai remarqué qu'il y a un petit ajustement à côté de son organe. Je ne sais vraiment dire ce que c'est. Attendons voir les résultats des examens. N'ayez pas peur, tout ira bien. C'est comme je le disais tantôt, nous connaîtrons le diagnostic dès que nous avons les résultats des examens. Gardons espoir et restons positifs. Yeah. Voilà les résultats, docteur. Oh, c'est ça? Merci beaucoup. Ok, voyons ce que j'ai entre mes mains. Tout est normal. Mais il a besoin de se reposer. Il doit prendre beaucoup de repos. Ah, s'il te plaît, est-ce que je peux l'attendre? Je vais rentrer avec mon mari. Il doit compléter son traitement dans les 2 jours qui suivent. Dans ces cas, je vous conseille d'être un peu patiente. Mais... est-ce que cela veut dire que tout va bien? Bien sûr. Êtes-vous sûr? Je le suis. D'accord. Où est-ce que vous allez? Ah. Tu ne m'avais pas demandé ça. As-tu déjà oublié que Richard sera de retour à la maison aujourd'hui? Mais comment pourrais-je oublier cela? Mais tu dois te reposer, ma fille. Ces 2 derniers jours ont été très stressants pour toi et tu connais ton état. Maman... permets à ta sœur de prendre soin de toi. Maman, c'est ce que j'essaie de faire depuis, mais elle refuse de m'écouter. Je suis juste enceinte, je ne suis pas malade. Tu dois qui a dit qu'une femme enceinte ne peut pas faire ses activités quotidiennes?
Je sais, mais ça, c'est le premier trimestre de ta grossesse, donc tu n'as pas besoin d'être stressée. Repose-toi, ma fille. C'est pour ton bien et celui du bébé. Ok, écoute-moi. Je vais ramener ton mari à la maison. Hein? Ah. Ok, maman, d'accord. Ah, si tu insistes, pas. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, d'accord. S'il te plaît, juste mets-toi et essaye de te relaxer, ok? Je veux dire, sens-toi à l'aise. Rassure-toi de bien prendre soin d'elle. Okay. Je reviens. Fais attention, maman. Ma sœur, attends que je t'apporte de l'eau. Je ne suis qu'enceinte, mon Dieu. C'est tout le monde qui me traite comme une enfant. Dans quoi me suis-je mêlé? Est-ce que je l'ai tué? Non, non, non. Il n'est pas mort. Mes désirs égoïstes sont en train de me coûter mon confort. Je me suis caché pendant plusieurs jours pour découvrir si je suis recherché ou pas. Mais je ne faisais que me battre pour ce qui me revient de droit. Après tout, c'est lui qui m'avait volé Cassie pendant que j'étais encore en train de me battre pour ma survie. J'aime Cassie. Je l'adore. Mais je pense seulement que je n'ai pas été destiné à vivre avec elle. Pourquoi n'avais-je pas seulement écouté mon père? Maintenant, je n'ai personne à qui me confier. Je ne peux même pas dire à mon père ce que je suis en train de traverser. Je dois trouver un moyen de bien faire les choses. Je ne peux pas vivre tout en sachant que la femme que j'aime le plus ne veut pas être avec moi. Seigneur, s'il te plaît, résous ces problèmes. Et je promets que je ne vais plus les affronter. Grande sœur, ils sont là. Hé, mon chéri est là. Bisous. Cosi, je suis désolé pour tout ce que je te fais subir. Je suis vraiment désolé, je t'en prie. Aie pitié de moi et pardonne-moi. Oh non, Richard, s'il te plaît, lève-toi. Faut pas t'en faire. Tu viens à peine de sortir de l'hôpital. Tous ces problèmes font partie de notre passé maintenant, ok? J'ai même cru que je ne te reverrai jamais. Oui, je ne supporterai pas de te perdre, s'il te plaît, Cosi, pardonne-moi. Ça va, chérie. Ce qui compte maintenant, c'est notre présent. Allez, viens. Oh. Ma fille. Merci beaucoup pour avoir remis le sourire au visage de mon fils. Ah, ah. Je te remercie. Allez, maman, s'il te plaît, ne me dis pas que tu veux les rejoindre. Pardon. Non, maman, fais pas ça. S'il vous plaît, venez vous installer. Je fais une pepper soup pour tout le monde. Oh, vraiment? Et je suis sûre que vous allez bien. Allez, tu n'étais pas obligée de faire ça. Mon amour, prends place. Nous bénissons Dieu pour la santé. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Qu'y a-t-il? Hein? Je ne sais pas trop. J'ai juste des douleurs. Sérieux? J'ai très mal. Désolé. Ça va aller. Tu es sûr que ce n'est pas ce à quoi je pense? Non. Non, mais non. Nous devons voir un docteur. Calme-toi. Laisse-moi aller appeler le docteur immédiatement, ok? Bien, docteur, vous avez dit que vous vouliez nous voir. Oui. Ta femme va bien. Mais je suis désolée. Elle a perdu le bébé. Quoi? Comment? Pourquoi? Mais comment peut-elle perdre cette grossesse? Je pensais que vous veniez de dire qu'elle allait bien. Toutes les grossesses sont normalement fragiles. Le stress peut causer beaucoup de problèmes. Et le cas de ta femme n'est pas différent de tout ceci. Oh! J'essaie de la dissuader pour ne pas faire des travaux stressants, mais elle refusait de m'écouter. Hein? Je suis vraiment désolée. Hey, je suis. Voilà qui est très triste. Très triste. Docteur, j'espère qu'actuellement tout va bien. Elle va absolument bien. Dans ce cas, elle sortira de l'hôpital ce soir. Elle est maintenant en forme. Oh, Richard, tu dois être fort, mon fils. C'est comme la docteur vient de le dire. Aussi va bien. Si Dieu le veut, tu auras des enfants avec ta femme. Ok? Sois fort, mon fils, je t'en prie. S'il te plaît. Merci infiniment. Bien. Ok. Elle est déjà sortie de l'hôpital. Elle est maintenant à la maison. Pas de problème. D'accord. Que tu sois loué. Je viendrai, il n'y a pas de problème. Merci. Hey, Nang. Ah, Ugodia. Hein? Ah, vraiment, comment tu vas? Je vais bien, oh. Kosito Djoukou a été libéré de l'hôpital. Ah! Ça, c'est bon. Ah, c'est bolo. Hein. Dieu merci. Alors, je dois aller là-bas pour lui rendre visite. Pour voir comment est-ce qu'elle se porte. Si tu avais dit quelque chose d'autre, j'allais être surpris. Hein? Toi, Eko Sisochukou. Hein? C'est une bonne chose, après tout. Aller pour leur rendre visite. Ok, laisse-moi aller préparer ta nourriture. Ok. Je dois faire pour toi une diversité de nourriture pour qu'à mon départ, tu ne sois pas dérangé. Ah. Parce que je pourrais prendre un peu de temps là-bas. Je ne prendrai pas un jour avant de revenir. Au moins, tu sais que je ne peux pas rester enfamé. Mais laisser enfamé n'est pas du tout une bonne idée, tu sais? Ah ah. Non, Ogini, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien quoi? Toi qui me déranges à tout moment ici. La nuit, tu me déranges. Le matin, tu me déranges. Et même le soir. Même si je ne te sens pas bien, tu cherches toujours à... Te voilà encore. Te voilà encore. Hein?
Si je me plains, c'est par rapport à la manière dont tu dors. C'est ça mon problème. Je ne peux plus dormir. Non, Nico, laisse-moi tranquille. Je dois aller emballer déjà mes affaires. C'est bien. J'essaie de réparer ce téléphone. Tu aimes toujours qu'on prépare pour toi. Philippe, chez nous, on a l'habitude de dire que c'est à cause du respect. La marmite a besoin du feu. Et lorsque cette marmite est sur le feu brûle, mais la marmite ne se plaint pas. C'est également pour le respect que le feu a pour la marmite qui est sur lui, qui fait en sorte que le feu brûle, mais ne peut pas brûler la marmite. Par contre, ça couille ce qui est à l'intérieur de la marmite. Le respect doit être réciproque, si tu comprends ce que je veux dire. Ah, mon grand frère, le niveau de sagesse que tu as dans ces villages est sans pareil. Et nous sommes toujours reconnaissants de t'avoir avec nous, étant aîné et père dans notre communauté. Merci. Mais je veux seulement que tu comprennes une chose. Je suis content. Je suis content que Kossi, notre fille, est retournée chez son mari. Ce qui est bien. Mais moi, j'ai prié et espère que ce vilain incident qui a conduit à cette abomination ne soit plus autorisé pour que cette famille progresse. Mon frère, qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu sais ce que je veux dire. Nous avons des filles. L'une est partie, mais l'autre... Et là encore, j'espère que tu vas faire asseoir celle qui est restée. Fais-la asseoir. Parle-lui. Apprends-lui les traditions de notre terre. Qu'elle comprenne les vertus de notre communauté. Et quelqu'un doit être capable d'incliquer de très fortes valeurs dans cette fille. Comme ça, mon frère, tu n'auras pas à t'inquiéter lorsqu'elle va se marier demain. Non. Je prie pour ça et je suis tellement sûr que Akwamwam ne nous couvrira pas de honte. Ouais. Akwamwam ne nous couvrira pas de honte si quelqu'un est en train de faire ce qu'il est censé faire. Mais au cas où quelqu'un n'est pas en train de faire ce qu'il est censé faire, Akwamwam nous couvrira de honte. Et lorsque cela arrivera, je jure, Philippe, tu ne sauras où te cacher. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. D'accord alors. Merci grand frère pour le souci. Hein. Merci. C'est bon alors. En tout cas, j'ai vraiment apprécié. Si tu l'as dit. C'est ça. Pas de problème. C'est ça. C'est ça. Ouais. Aussi. Ma chérie, j'aimerais que tu comprennes que tu as une merveilleuse vie devant toi, peu importe ce qui t'est arrivé. Honnêtement, nous sommes désolés de tout ce qui t'est arrivé. Ok? J'étais choquée lorsque le président m'avait appelé pour m'annoncer cela. Quelle était la réaction de ton mari? Quoi d'autre? Il est juste en train d'endurer la peine. On pouvait lire la déception sur son visage. Je suis convaincue qu'il attendait vraiment l'arrivée de cet enfant, malgré que nous l'avons perdu. Même ma belle-mère était vraiment inquiète. Perdre un enfant était très douloureux pour nous, sincèrement. Ça ne pouvait que être ainsi pour une mère qui attend un enfant. Oh, c'est vraiment triste, très triste. Mais je prie Dieu que tout se passe très bien pour toi, ma chérie. Amen. Amen, tu iras bien. Et tout ceci restera dans les oubliettes. Ça, c'est vrai. Donc, ma chère amie, je veux que tu essuies tes larmes.
Ok. Trisha. J'ai besoin de voir la Kosi que je connais. Mm-hmm. Oui. Ça va. Je vous offre quoi, Luffy? Oh, te dérange pas pour ça. T'inquiète. Tout ce que je veux, c'est voir la Kosi que je connais. Mm-hmm. C'est ça. Ça va aller. Je peux continuer encore et encore et encore. Je te connais. Je te connais, mec. Mm. Oui, vas-y. Ne t'arrête pas, mec. Non, mais quelle culotte. Richard, qu'est-ce qu'il fait ici? Calme-toi, mon cher. Calme-toi. Calme-toi. Hein? Je suis désolé. Complètement désolé. Tu es désolé. Tu es désolé. Richard, calme-toi. Mon frère, je suis complètement désolé. Complètement. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. Je sais que je m'étais comporté comme un idiot. Je n'aurais pas agi de la sorte. Je suis vraiment désolé. Tout ce que je fais, je n'aurais pas dû le faire, frère. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis juste venu pour te demander pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que j'ai agi de manière irrationnelle. Oui, ça, tu peux le dire. Vas-y, dis-le que tu es un homme irrationnel. Dis que tu sais ça. Calme pourquoi toi, je suis en train de parler calme de toi, Dieu calme tu me voulais toi, mort toi. Tu me voulais mort afin que tu puisses récupérer ma femme. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Oh non. Oui. Calme-toi, Richard. Pourquoi parlez-vous à ce fou? Pourquoi êtes-vous en train de lui parler alors que je devrais me jeter sur lui? Oh non, 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 mec, mais calme-toi. Toi. Calme-toi. Donc tu voulais me tuer? Calme-toi, Richard. Pourquoi calme-toi. Me tuer ainsi? Écoute, Richard, s'il te plaît. Ce gars devrait couper en tôle. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît. S'il te plaît. Écoute, Richard, je ne pense pas qu'il est venu se battre contre pas toi. Pas du tout. Comme il s'est excusé, alors laisse-le s'en aller, s'il te plaît. Cette chose est en train de s'excuser. Il essaie simplement de gagner du temps, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Laisse-moi faire. Non, frère, attends, frère, pas ça. Calme-toi. Tu me voulais mort afin de me voler ma famille, c'est ça? Je jure devant Dieu. Je jure sur tout ce qui est saint. Je m'excuse du plus profond de mon cœur. Je suis complètement désolé. J'ai commis la pire erreur de ma vie. Je jure sur la tombe de mon père. Je jure sur tout. Que si tu me pardonnais et que après j'ai eu une pensée négative contre ta famille, que je meurs. S'il te plaît, entre hommes, s'il te plaît. Je jure, s'il te plaît, frère. Pardonne bien. Entre hommes. Richard, je pense que ce sont des excuses très, très sincères. Oh ok, oui. Alors, juste que tu te calmes. Calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Juste, mets-toi. Mets-toi. S'il te plaît. Mon cher. Prends place, oui. Mets-toi. Hein? Mets-toi, s'il te plaît. Richard. Oui. Richard, il faut te mettre. Oh, voilà. Ah, ok. Richard, mets-toi, s'il te plaît. Ah oui. Le moment est venu pour faire la paix. Ok. Merci, frère. Merci, les gars. Ok, tu peux t'en aller. Tu es un très bon homme. Arrête. Ne dis plus mot. Désolé. C'est ce que tu ne cesses de dire. Hein? J'ai beaucoup aimé. Ouais. Désolé si je n'étais pas assez bon. Ouais. Tu m'as presque suivi. Sérieux? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne parles pas? Je n'ai rien pris du tout. Je n'ai fait que savourer le moment. C'est tout. Et je pense que j'en ai encore besoin. Ah,
Non, c'est quoi? Je suis fatiguée. On en entretemps, on le fera autant que nous pourrons. S'il te plaît. Es-tu fatiguée? Bon, je sais pas trop. Tu en veux encore? Allez, doucement. Quoi? Quoi? Je veux souhaiter, tu restes encore un peu. Tu vas me manquer. Tu déranges pas, ok? Bientôt, tu vas te fatiguer de ma présence. Mais pour l'instant, je dois d'abord rentrer au village parce que j'avais laissé ma maison sous la responsabilité d'une petite fille. Maman, promets-moi que tu reviendras bientôt. Ok, je te promets que je reviendrai bientôt. Tu t'es réjouie maintenant? Ah, maman, pas de problème. Sois d'accord. D'accord, merci beaucoup. Baby, que se passe-t-il? Tu m'as pas dit que tu venais. Que se passe-t-il? Vas-y, dis-moi. Bébé, je suis tellement émerveillée. J'ai pas pu rester seule. C'est pourquoi je suis venue le partager. Commence d'abord avec par toi. Te calmer. Et? Je suis enceinte. Tu es quoi? Tada! Waouh! Merci infiniment. Oh Seigneur, je vais être parent. Nous serons bientôt des parents. Ah! Quel merveilleux cadeau! Je sais. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Tu me le promets? Doucement. Oh oui, doucement. Avec beaucoup de douceur. Oui, chérie. Oh, désolé. Franchement, la vie est belle. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vrai. Bien, je vois que tout le monde est heureux. Et c'est bien. Bien, comme les plus curieux. Uh-huh. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais demander, quelle est la raison de cette célébration ou rencontre ou que sais-je? Ok. Pourquoi sommes-nous là? Malgré tout ce qui s'est passé, je suis heureux de vous informer, enfin nous, aujourd'hui, que Kossi et moi attendons un bébé. Waouh! Oh mon Dieu! Ma chérie, félicitations! Très bonne... Merci! C'est pas vrai! Vraiment. Merci! Cela veut dire que nous célébrons deux choses aujourd'hui. Vraiment? Je ne comprends pas, moi. Vous savez, depuis que j'ai rencontré cette femme, elle a été source de ma joie. Oh mon Dieu! Tricia. Oh! S'il te plaît, veux-tu m'épouser? Seras-tu la mère de mes futurs enfants? Dis oui! S'il te plaît, sois ma femme. Oui, j'accepte. C'est bon l'amour. Oh, wow. Félicitations, ma chérie. Merci, chérie. Ah, voilà, c'est bon, c'est bon. Allez, calmez-vous maintenant, ok? Calmez-vous. Ah. C'est mignonne. Félicitations. Félicitations, jeune gens. Merci, merci. S'il vous plaît, veuillez appeler le chef. Oui, appelez le chef. Ma chérie. Ok. Mec, tu sais que j'avais eu très peur. Tu sais ce qu'elle a fait? Non, j'en ai aucune idée.
Arrête de me faire peur. Ok. On se calme. Je vous en prie, permettez-moi. Tu es trop concentré à ton téléphone, tu n'écoutes même pas. Je suis vraiment désolée, c'était mon ami. Qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Allez, vas-y, montre-moi. Toc, toc, il y a quelqu'un? Ah, quelle surprise. Maman. Oui? Mais tu ne nous as pas dit que tu venais. Dès que j'ai appris la nouvelle, je me suis mise en route. J'ai pas voulu perdre le temps. Maman. Maman. Je ne peux pas aussi me retenir. Ma fille, félicitations. Bienvenue, maman. Mon beau-fils, il va être vraiment costaud pour nous prendre en charge pendant ces 9 mois. Bien sûr, comme vous voudrez. Alors, montrez-nous notre chambre. Oh, maman, il y a plusieurs pièces dans cette maison. Faites votre choix, c'est tout. Oui. Ma belle, je connais la meilleure chambre de cette maison. Oh, c'est vrai, vas-y, montre-moi, chérie. Il y a plusieurs chambres. Oui, allez, par là. Par là. Par là. Oh, ma chérie, comment vas-tu? Chérie. Mon Dieu. Aidez-les à aller monter. Ça, c'est ok. Quelle maison! Je suis surprise, moi aussi. Allez, maman, toujours comme ça. D'accord. Fais-le comme tu le fais d'habitude. Hein? Doucement, doucement. Désolée. Doucement, chérie, vas-y doucement. Ça va aller, ma fille. Doucement, désolée. Doucement, chérie. Tu dois être vas-y, courage. Doucement. Ça va aller, ça va aller. Doucement. Courage. Respire par la bouche, ma fille. Apporte les sacs vite. Doucement. Oui, on va. Doucement. Essaye d'avancer. S'il te plaît, ouvre la porte. Respire par la bouche. Viens vite avec ça, où es-tu? Dis-moi, ma fille, qui te porte? Ok, c'est bon, alors avance dans ce cas. Est-ce qu'elle le fait bien? Désolée, ma fille. Je t'ai demandé de respirer par la bouche. Ah, c'est quoi ça? Fais vite avec le sac. Respire par la bouche. Désolée. Doucement, doucement. Ça va aller. Sois forte, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, sois forte. Doucement, oui. Ça va aller. Vas-y, doucement, ça va aller. Ouvre juste ta bouche. C'est bon. Oui, sois forte. Respire par la bouche. Vas-y. Voilà, ça va aller, ma fille. Ça va aller, hein. Ouvre la bouche. Respire par la bouche. Oui. Prudente, as-tu pris le sac? Hein? D'accord. I have you, still feels like I have no one with me. You're right beside me, feels like I'm just alone. No one told me when I have everyone to hold me. No touch, no kisses when I want it more than ever. This temptation is just too much. I can't hold it no more, no more, no more. Someone please come help me, come help me. Someone please come change my mind, it's too much. What I'm having is not enough for me, 'cause I'm so hungry, hungry for more of your love. All this is temptation, it's just too much for me. I can't, this is temptation, I can't no more. A thousand words can't explain how I feel. A thousand love, it's not enough to show how.
How much did I feel so bad letting my yesterday come between me and you, baby? No, 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 no. And I feel like it's not my fault, yet I feel like it's all my fault. And I feel like I can change the heads of time to make amends, but you don't want me to say.